Messieurs, dames, ce soir, la Guinée s'invite à cette 10e édition de la star de l'intégration culturelle africaine, Sika, à travers cette culture guinéenne prônée par le feu président Ahmed Sékou Touré, qui a vu germer les ballets africains, qui a vu germer le Bembe à Jazz National avec à sa tête un certain Aboubacar Demba Camara, appelé le dragon de la musique africaine. Cette culture guinéenne a vu également germer de ses cendres le premier orchestre mondial 100% féminin issu des rangs de la gendarmerie, les Amazones de Guinée. Mais ce soir, je suis venu avec la coqueluche de la musique guinéenne. Son nom, c'est Koundou Waka. Cet artiste, il est infirme, mais de cette infirmité, il en a fait un don, il en a fait un talent, ce qui lui a valu le nom de l'artiste au pied magique chez lui en Guinée-Conakry. Vous aurez l'impression qu'il va tomber, ne vous inquiétez pas. C'est sa gestuelle à lui. Messieurs, dames, ensemble, recevons Avra-Sodi. Bonsoir, Bénin. Mikwabo, mais ça dort. Koundou Waka n'aime pas si ça dort. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Cabine technique. Applaudissez, applaudissez.
Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le morceau s'appelle pour le C chez nous, en langue nationale. Cela veut dire la précocité sexuelle. Halte à la précocité sexuelle en milieu scolaire. Merci beaucoup, Koudoumou. Merci. C'était donc la Guinée-Conakry.